Eh bien c'est tout, c'est tout Dani, j'espère pour moi en tout cas, et on se retrouve pour l'épisode 3 de mon guide de survie à Minecraft. Donc on se retrouve dans ma maison, mais vous allez me dire, ouais Dani, pourquoi t'as tout ton inventaire sur toi? Parce que je vais déménager d'ici, on va quitter cet endroit pourri on va dire, et cet endroit perdu, pour aller s'installer autre part. Donc j'ai vu que les deux premiers épisodes vous ont plu, en attendant que je parle, je vais aller... aller autre part, on va essayer de trouver un endroit assez sympathique pour s'installer, pour faire une maison. Alors, durant les deux premiers épisodes, j'ai vu pas mal de commentaires positifs où on m'a dit très bon épisode, pas mal de j'aime et de commentaires et de vues. On est déjà à 60 abonnés, merci à tous, ça fait toujours plaisir. Alors, durant cet épisode, j'ai installé les mods Inventory Tweaks et le mode Optifine. Alors le mode Optifine, là vous allez voir, c'est le mode qui rajoute plein de trucs pour rendre Minecraft beaucoup plus beau, ensuite le mode Inventory Tweaks, ici il y a trois petits points qui servent à, en fait, regardez, je vais mettre mon inventaire un peu n'importe comment et tout, voilà, et là vous allez voir tout se range automatiquement. Là je vais faire ça comme ça, etc. Et si je fais ça, voilà, tout se range automatiquement. Un petit mode qui peut toujours être pratique, je trouve. Hein. Donc voilà, ça peut toujours servir. Ensuite, c'est tout comme mode. Merci à tous, ça fait toujours plaisir, comme je viens juste de le dire précédemment. J'ai lu vos commentaires pour m'améliorer, vous m'avez dit de baisser un petit peu le son de Minecraft. Donc je vous ai écouté, j'ai baissé le son. Ensuite... vous m'avez dit que les champignons ne poussaient que dans l'obscurité. Et oui, j'ai remarqué ça. Je sais que avant ils poussaient dans l'obscurité. Oui, c'est toujours le cas. Mais depuis une récente mise à jour, ils poussaient aussi dehors. Mais maintenant, ils repoussent que dans l'obscurité. Ensuite, là, on voit un nouveau biome avec de belles cavernes. Donc, on va les explorer dans le prochain épisode, je pense. Nous verrons. Ok, un creeper qui m'attend, c'est toujours sympa. Ah tiens. Ah ok, deux creepers, ça m'étonne. Non, je suis en mode normal. Ok. Ouf. Ah oui, alors les creepers, je vous avais pas présenté les creepers. Donc les creepers, c'est des monstres qui explosent si... comment dire, si on s'approche trop d'eux. Là, il y a les... les archers et les zombies. Les zombies, les mobs les plus faciles à tuer. Alors là, c'est une baston d'archers. En fait, les archers, tellement ils sont bêtes, quand ils se tapent une fois, ils sont obligés de se tuer entre eux. Sympa. Donc, ouf, il y a pas mal de mobs. Ouais. Aïe. Allez, viens. Voilà. Mais, non. C'est un peu... ouf. C'est un peu abusé, j'ai envie de vous dire. Ok, le bruit qui fait peur. Alors, les torches. Ok, non, je vais pas explorer, j'avais dit, hein. Je vais juste éclairer. Parce que j'ai pas envie de me prendre des mobs comme ce qui s'est passé à l'instant. Donc, on va mettre un petit coup de sprint. Il n'y a pas un mob spawner. Non. Un mob spawner, je vous le présenterai quand j'en trouverai un. Ce qui est assez rare d'en trouver quand même, mais n'est pas impossible. Voilà des os que j'aurai besoin. Parfait, on est niveau 4. Ensuite, voilà. Alors, on va continuer à avancer. De belles grottes, pas mal de mobs, de monstres. Ouf, pas mal de vaches. Ouah. Je suis bien surpris, agréablement surpris même, parce que on va faire une autre maison, une agriculture. C'est vraiment une série que je vais continuer très 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 longtemps. Donc voilà. Ensuite, je pense que je vous ai dit pas mal de petits trucs. Un très très beau biome et une très belle map avec une belle coulée d'eau. J'adore. Ouh là, c'est super beau. J'adore.
Donc si vous voulez installer les mods que j'ai installés, bah je vous conseille d'installer l'outil, le logiciel Pipix, un logiciel qui vous permet d'installer pas mal de mods en quelques clics très facilement, très facile d'utilisation et très facile à installer. Si vous voulez un tutoriel pour l'installer et pour l'utiliser, demandez-moi, je vous ferai ça avec plaisir. Ça, le tutoriel va prendre à peine 2 minutes et ça sera super. Alors, une belle surface pour faire notre maison. Donc on va la commencer tout de suite. Donc là j'ai encore la limite des 15 minutes, mais je vais demander à un ami de me l'enlever s'il peut. Ben, s'il peut pas, si vous avez un portable, si vous êtes vraiment généreux et vous voulez bien bah, faire le numéro bah, pour comment dire, pour m'enlever la limite des 15 minutes, bah ça serait vraiment sympa de votre part. Donc si vous pouvez me faire ça, bah contactez-moi. Ça serait vraiment très sympa de votre part. Donc on va commencer ça. Voilà. Alors, c'est vraiment la déco à la Dani, hein, j'ai envie de vous dire, hein. C'est la déco à la Dani. Ça veut dire ce qui c'est pas fameux, hein. Donc on va prendre le coffre. Là je mets vraiment ça à n'importe comment, mais vous inquiétez pas. Regardez, alors, là je mets, regardez, là je fais extra de mettre n'importe quoi. Voilà. Voilà. Alors là, vous allez me dire pourquoi tu t'arrives à mettre ça. En fait, on fait shift plus clic droit et en fait ça trie les items sans mode, hein, bien sûr. Et là, je vais faire bah, le clic pour ranger tout d'un coup. Et voilà. C'est vraiment très 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 pratique parce que ça peut nous économiser beaucoup de temps qu'on aurait pu mettre pour faire tout ça. Donc voilà, je vais refaire une hache. Voilà. Parfait. Donc, je vais vous montrer un truc. Comment combiner des objets, des armes pour et des armures pour donner une nouvelle épée. Donc voilà ce qui est très utile pour réparer des objets. Si les deux sont cassés, bah, pour en faire une toute neuve. Ce qui pourrait être très pratique, hein, pour économiser de la place dans votre inventaire. Donc voilà, bah, j'ai à dire à peu près tout ce que j'avais à dire, hein. Bah, en fonction des modes, etc. Donc là, on va, bah, durant ce petit épisode, vu que j'ai la limite des 15 minutes, je vais bah, commencer la maison. Hein. J'ai un arbre que je vais juste prendre un, deux, parce que sinon c'est trop long. Donc on va commencer. La maison, peut-être l'agriculture, bah une vraie agriculture, ça doit pas être une petite agriculture comme ce que j'ai fait. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'arbres à côté de chez moi, enfin plutôt des arbres de la jungle, mais j'ai pas envie de les enlever, donc je préfère en poser moi-même. Comme je vous avais dit dans un épisode précédent, vous pouvez faire carrément, comment dire, vous pouvez faire carrément une agriculture d'arbres tout seul. Voilà. Alors, on prend les os qu'on a gagné durement contre les archers. Alors, ici, on va faire notre agriculture parce qu'il y a pas mal, une petite zone assez belle. Pas mal de vaches. On va faire pas mal. Oh non. Il est super, les larves en plus. Donc, on va faire un élevage bientôt parce que si on tue un animal, bah, il ne repop pas, il ne réapparaît plus. Comme je vous ai déjà dit, je pense. Hein. Donc voilà, je vais faire ce que je vous dis quand même. Parce que sinon c'est illogique de vous donner des conseils si je ne les applique pas. Donc voilà. Alors, je sais pas si je vais finir tout cet arbre parce que je vais me perdre 10 minutes à couper un seul arbre. Hein. Surtout que après la nuit va tomber. Donc voilà. Alors j'ai vu vraiment que les deux premiers épisodes vous ont vraiment plu, ça me fait vraiment plaisir. Hein. N'hésitez pas à toujours commenter la vidéo, à me dire ce que je peux donner comme conseil, pourquoi pas. Hein. À me dire ce que je peux améliorer dans mon commentaire, etc. Moi, ça peut me faire que du bien. Alors, petite spécificité de Inventory Tricks, ce que je savais pas, c'est que quand ma hache est cassée, bah, l'autre, elle a switché, on va dire, elle a changé directement sur l'autre hache, ce qui est plutôt pratique et plutôt sympa. Donc voilà.
Voilà. Là, je vais faire vraiment une petite maison. C'est vraiment pas de grandes prétentions, mais bon, là, c'est vraiment l'abri de départ. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est pas avec ça que je vais aller très loin. Alors. Voilà. Parfait. Donc, la nuit commence à tomber. J'ai pas tardé à arrêter cet épisode. Je vais essayer au moins de finir la maison, même si j'ai très peu de temps. Donc on va au moins essayer de finir la maison pour pas vous quitter comme ça quoi. Donc je vais essayer de tourner plusieurs épisodes à la fois, mais je vais quand même pas trop tourner pour attendre vos commentaires hein, pour voir ce que vous vouliez me dire à faire, etc. Donc j'ai reçu pas mal de demandes sur Skype, ce qui est très sympa, parce que j'ai envie de parler avec mes abonnés, faire participer mes abonnés dans les vidéos. C'est un peu mon but parce que je me rapproche de vous, on va dire ça comme ça, pour être proche de vous et faire des vidéos, pourquoi pas avec vous, être aidé par vous, etc. Donc voilà, on va faire cuire. Ah, je n'ai pas de sable. On va juste du sable à proximité. Je vais juste augmenter la luminosité. Enfin, pas trop non plus. Voilà. Pour que vous voyez un minimum. Bon, j'ai pas de pelle, mais bon, tant pis. Hein. On l'a fait à la va-vite, là. Voilà. Il me reste 2 minutes à peu près. On va dire ça comme ça. Donc, on va faire ça comme ça. Alors, voilà, et ensuite on va se faire des torches pour éclairer un petit peu la maison qui n'est pas finie, bien sûr. Voilà. Enfin, les torches qui sont très mal placées, mais bon. Alors, on va faire maximum de bois. Alors, la vache, je veux pas que tu rentres. Voilà. Donc c'est vraiment un épisode détente hein. Voilà. Allez, on va finir ça comme ça. Donc j'espère que ce troisième épisode de mon aventure sur Minecraft vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à l'aimer, à me donner des conseils pour m'améliorer. Là c'est vraiment la maison à la va-vite. On va la finir durant le prochain épisode. On va faire l'agriculture et je vais repasser la nuit. Moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. C'était Dany. C'était Tuto Dany. À plus tout le monde.